Lorsque l'on dit que l'Afrique continue d'être pillée, d'être délestée de la façon la plus honteuse de ses richesses naturelles, dans le climat de tension actuel, les bien-pensants, les politiques et certains médias du Nord ont vite fait de taxer l'auteur de ses propos de complotiste. S'il insiste, il est de suite accusé de populisme ou encore de racisme anti-occidental, racisme anti-blanc, carrément. Autant de stigmatisations qui très souvent poussent à se taire ou à tomber dans les excès. Et pourtant, les mots ne suffisent pas, les mots ne sont pas assez durs pour illustrer les vols dont le continent est chargé ou la victime. Tenez, regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinéenne. Regardez ce long tube, ce pipeline qui part de la mine de bauxite à Boké pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ces tubes, on met toute la bauxite extraite de la mine. Et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. On ne peut pas dire que ce soit sain, que ce soit une méthode orthodoxe. Et ça dure depuis des décennies. Et vous êtes loin d'avoir vu le plus grave. La Guinée est habitée par une masse de gens qui ne savent pas la richesse de leur pays. Cette pratique des compagnies minières qui déclarent ce qu'elles veulent a prévalu pendant longtemps dans de nombreux domaines en Afrique, notamment dans le secteur pétrolier. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Vous avez bien entendu. Un président de la République qui ne sait pas les volumes de pétrole que l'on extrait de son sous-sol. Et ça continue encore à ce jour, croyez-moi. Des cargaisons fantômes qui disparaissent dans la nature. J'en connais quelques-uns qui m'en ont discrètement parlé. Je me souviens aussi d'une conversation il y a quelques années avec le président Denis Sassou Nguesso du même Congo-Brazzaville qui me faisait savoir que c'est grâce au conseil de son ancien homologue Wari Boumdien d'Algérie à l'époque qu'il a commencé à former et mettre en place des cadres congolais chargés de surveiller avec une efficacité limitée, comme vous venez de le voir, les quantités déclarées par ELF. Sur les bases, ils étaient isolés et méprisés par la hiérarchie du géant pétrolier. Que dire du coltan et du cobalt des RDC? Il ne s'agit pas de dénoncer ou de pleurer sur ce que les autres nous font. Il s'agit de montrer la réalité. Parce que notre silence a longtemps laissé place au narratif des autres, à leur version de l'histoire. C'est la leur qui fait office de vérité. C'est celle que l'on retient, celle qui fait foi, comme on dit. Les Occidentaux, et pas que d'ailleurs, puisqu'on assiste au même phénomène dans les autres régions du monde, se sont habitués à l'idée de voir notre continent de leur seul point de vue, seulement à partir de leur lucarne, qui trop souvent déforme ou arrange la vérité à leur guise, à leur avantage. Un point de vue qui, évidemment, ne montre que nos manques et oublie souvent les rapes, les vols, les crimes que commettent certains États ou quelques firmes internationales en Afrique. Alors toute réflexion divergente est perçue comme du populisme ou des mensonges. Mais cette perception ne doit pas nous amener à nous taire. Au contraire, elle doit nous inciter à donner notre version des faits, mais avec des éléments probants, avec des preuves et des documents, avec rigueur et méthode, pour que chacun, d'abord nous, puis les autres, sachent la vérité, la vraie. Qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas de fantasmes, d'alibi pour justifier notre retard, qu'il ne s'agit pas de rejet ou de stigmatisation de l'autre en raison de sa puissance, de son développement ou de sa richesse, mais de faits réels. Il s'agit aussi évidemment de montrer notre part de responsabilité lorsqu'elle est avérée. Il n'est pas question de démontrer simplement que nous sommes des saints, des pauvres victimes innocentes et les autres, le diable. Nous assumons notre part de responsabilité, mais les autres, ceux qui le sont davantage, doivent avoir la correction, la décence de se regarder aussi dans la glace. C'est en cela que j'ai entrepris avec mon équipe depuis quelque temps, entre autres travail journalistique, de m'intéresser aux questions minières. À ces richesses dont on parle tant et qui font l'objet de tellement de commentaires ou de fantasmes. C'est quoi la réalité? Sommes-nous si riches? Dans ce cas, c'est quoi la raison de notre sous-développement? Quel est le potentiel naturel réel dont l'Afrique dispose? Comment le transformer en richesse?
C'est bien d'être potentiellement riche, mais c'est nettement meilleur de l'être au réel, de pouvoir en jouir. Et si on sortait du virtuel pour parler des choses palpables? Après la RDC et ses mines, son cobalt, son coltan, son cuivre, son or et ses diamants, cap dans cette série consacrée aux richesses minières d'Afrique sur la Guinée, celle de Sékou Touré, celle de Conakry, celle du colonel Mamadi Doumbouya. Présentée comme l'un des plus grands pays miniers du continent, et ce n'est pas un mythe, elle est pourtant classée parmi les plus pauvres de la planète, avec plus de 44% de la population qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Avec ses richesses, la Guinée est pourtant, en termes d'indice de développement humain, 178e sur 189 pays. Comment expliquer cette incongruité? Vous avez le diamant et l'or, vous avez la bauxite et le fer, et tout dernièrement, un permis d'exploitation a été donné pour le graphite. De façon résumée, ce sont les 5 minéraux utiles que la République de Guinée est présentement en train d'exploiter. Autant de richesses sur un même territoire de 245 857 km². Mais on va se concentrer dans cette série sur les trois principaux minéraux que sont la bauxite, le fer et l'or. Autant de richesses qui ont suscité depuis une soixantaine d'années la ruée des grandes entreprises minières et de certains États vers la Guinée. Nous sommes à l'aéroport de Conakry. Derrière moi, l'hélicoptère qui va nous amener sur les champs de mines. On va aller voir la bauxite. Comment c'est exploité ici? Qu'est-ce qui fait que l'on soit si riche et qu'en plus on ne puisse pas en profiter? Qui vole cette bauxite? Dans quelles circonstances? Comment c'est contrôlé? Qui fait quoi en réalité? Nous vous invitons à aller voir ça et puis on en parle au cours de ce voyage qui va être un voyage exploratif. Suivez-moi. Commençons notre visite par le plus connu de tous ces minéraux. Celui qui colle le plus à la Guinée. Celui dont on parle le plus. La bauxite. La Guinée possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite et la qualité de ses gisements est l'une des meilleures en raison de la concentration du minerai. Elle est le deuxième producteur de bauxite au monde derrière l'Australie. Mais elle est la première réserve de bauxite au monde, avec les deux tiers des réserves de la planète. Autant dire que c'est bauxite lente. Mais à quoi sert la bauxite en réalité? Elle revêt une importance capitale pour la planète, pour l'industrie mondiale, puisqu'elle sert à fabriquer l'aluminium qui rentre dans quasiment tous nos objets et ustensiles du quotidien. Les casseroles, les couverts, les poêles, les emballages de médicaments, les pots de certains yaourts, les barquettes alimentaires, les canettes et même dans la construction des véhicules. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est dire si la demande pour toutes ces industries est importante et en forte augmentation. C'est en cela que la Guinée revêt une importance capitale, un attrait certain pour la planète entière, puisqu'elle possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite. Ces réserves sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes, localisées essentiellement dans la région de Boké, vers laquelle nous nous dirigeons. Une région dans laquelle les firmes chinoises se sont fortement implantées. Après seulement 40 minutes de vol d'hélicoptère, nous assistons donc à cette réalité criable, à ce scandale. Des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Et c'est une fois arrivé en Chine que la firme déclare ce qu'elle a extrait. Les quantités et la qualité. Cette pratique dure depuis des années. Et à ceux qui se sont offusqués de ce process, notamment les autorités de la transition, les firmes ont encore une fois utilisé les arguments scientifiques pour expliquer leurs mesures, la technique. On se base sur le principe d'Archimède, le tyran d'eau. Comme tout modèle, c'est le modèle des températures constantes, pression constante, tout ça. Il faut améliorer ça. On ne peut pas savoir pour sûr quelle est la quantité de minerais qui part dans notre pays en se basant que sur ce tyran d'eau. C'est dit, et par un spécialiste, par le nouveau directeur des mines de la Guinée. Et on ne peut pas savoir c'est qui a été extrait. Le principe du tyran d'eau est encore une escroquerie bien vendue aux ignorants. En gros, ils font ce qu'ils veulent à la barbe des autorités qui très souvent sont complices. Je dois avouer que c'est l'une des premières incongruités que le président Mamadi Doumbouya et son directeur de cabinet, Djiba Diakité, m'ont mentionné lorsque je suis venu le voir en septembre 2021. Le président m'a dit que nous défendions un régime qui, avec certaines firmes, suçait à ciel ouvert chaque jour le sang des Guinéens.
C'est ce qui a poussé ma curiosité pour que je vienne voir cette pratique de braille. Une fois qu'on a assisté à ce braquage à ciel ouvert, on se dit qu'on a tout vu. Erreur. L'année dernière, d'après les chiffres de 2021, la Guinée a exporté à peu près 88 millions de tonnes, métriques tonnes. Principalement, près de 90% ont été drainés en Chine. Voilà les chiffres. En gros, les entreprises chinoises ont dit à la Guinée, voilà ce qui vous revient. Et on s'y fie. Pendant qu'avec ces revenus, ils s'enrichissent et développent leur pays, regardez à quoi la ville d'où part l'essentiel de la bauxite du monde ressemble. Ici, dans un énorme nuage de poussière, on extrait des dizaines de millions de tonnes de bauxite. Pour le seul premier trimestre 2020, qui n'était pas reluisant, qui se faisait dans un chaos indescriptible, les quantités déclarées extraites malgré les vols dans cette région de Bokeh représentaient environ 3 millions de dollars. Pas un centre hospitalier, pas une université, pas un centre de formation. Et ne vous y trompez pas, l'essentiel des jeunes ici, dans la région de Bokeh, ont une autre activité. Ils ne sont pas dans la mine, non. Nous, on ne travaille pas, on est là. Plusieurs jeunes, plus de 100 et 1000 quelques jeunes qui sont là, fait taxi motard pour se débrouiller. À deux pas de ce marché de Bokeh, l'une des mines les plus modernes du pays, j'allais dire de la région. Qu'est-ce que SMB Winning Consortium ? Donc, un consortium de plusieurs sociétés. Les sociétés majeures sont SMB, qui est en charge de l'extraction de la bauxite, UMS, qui fait le transport routier de la bauxite. Ensuite, on a WAP, qui fait les opérations portuaires. On a Winning, qui fait le transport maritime de la bauxite jusque chez les clients. Nous avons aussi Oisé, qui est un chantier naval que nous allons aller voir. Et maintenant, depuis une bonne année, nous avons WCRG, qui fait le transport de la bauxite par voie de train. Cette mine est une véritable ville, avec toute la modernité, son aérodrome privé, ses trains, son chemin de fer très privé, ces nombreux camions de transport qui traversent dans un nuage de poussière la ville de Bokeh à longueur de journée, son chantier naval qui entretient en plus de ses propres navires d'autres bateaux dans la sous-région, son port d'où elle embarque directement sa production de bauxite. Et ici aussi, on utilise les mêmes techniques pour déclarer ce que l'on a extrait du sous-sol. On met tout directement dans le bateau. C'est une fois en Chine qu'ils annonceront ce qu'ils ont extrait. Il y a l'absence notoire du pouvoir au niveau de ces compagnies. On doit être investi des moyens. Et quand on laisse les compagnies à elles-mêmes, elles font ce qu'elles veulent, elles font du n'importe quoi. Elles maximisent le profit sans contrainte. Pour moi, il s'agit d'une notion bien connue en règles mathématiques, en règles de business. Il faut de l'optimisation sous contrainte. Et les contraintes viennent de l'État. Que les sociétés optimisent leurs profits, c'est normal. Que l'État aussi met des contraintes, c'est aussi normal. C'est seulement en mettant ces deux choses l'une en face de l'autre qu'on arrive à avoir un bien-être social, un bien-être collectif. C'est vrai que ces entreprises ont fait ce qu'elles veulent sur le terrain pendant toutes ces années. Ici, en apparence, tout va très bien. On a même intégré les Guinéens qui occupent quelques fonctions importantes. Les engins sont également conduits par des chauffeurs guinéens. Tout a l'air parfait. Les employés sur place s'abstiennent de dire ce qu'ils pensent. Ils n'osent pas dénoncer ouvertement une chose dont ils parlent tous en cachette. Le droit du travail. Ils ne veulent pas risquer de perdre leur emploi. Mais à moins de 3 km de là, les anciens ouvriers sont plus généreux en confidence. SMB Transport Wapo Minimum. Dapilo. Mais allez là, on est en Santour. Depuis qu'on est parti là-bas, quand même, il n'y a pas une condition de vie, ni aussi les salaires. Et en condition de vie, quand tu tombes malade, tu restes à la maison, même si c'est 2 jours, quand tu pars, on ne paye pas.
même si tu es parti là-bas pour rembourser ton argent, et aussi c'est difficile de gagner ça. Nous, avec les superviseurs qu'on travaille, tout ça là, quand même, le travail de mine, là où on travaille quand même, c'est difficile. C'est difficile. Et j'ai été licencié. J'ai réclamé mon droit et la société m'a licencié. De 2017 jusqu'à 2020, on avait des syndicats qui étaient en place. Mais parmi leurs mandats, il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient au niveau des travailleurs et qui ne pouvaient pas réclamer. Une fois que tu réclames ton droit, la société te met à la porte. Ah bon? Oui. Et donc vous avez mis la porte comme ça sans rien vous dire? Sans rien, oui, bien sûr que oui. Et les syndicats aussi qui étaient présents, et quand on va envers eux, ils te disent ok, on va voir, mais il n'y aura pas de réponse. Bien sûr, les syndicats qui étaient en place anciennement, ils étaient avec la direction. Ce que la direction les demandait, c'est ça qu'ils faisaient. Mais pour les travailleurs, ils n'étaient pas besoin de cela. Maintenant, nous sommes restés dans ça jusqu'à ce que leur mandat est fini, parce que c'est déjà le mandat qu'on leur a donné. Après les deux ans de mandat, on a demandé à la direction d'encore réorganiser l'élection pour qu'on puisse avoir un nouveau syndical. Et la direction nous a dit que c'est impossible. Ah donc ils n'ont même pas respecté cet aspect? Ils n'ont pas respecté cet aspect. Bon, actuellement, bon, je ne travaille pas, je suis en ce moment, je suis en train de réclamer mon règlement, mon droit au niveau de la direction. Ils nous ont dit que vraiment qu'ils m'ont licencié sur leurs droits. Et donc j'ai demandé mon règlement et ils n'ont pas me donné une réponse là-bas. On nous a licencié, presque quand on réclame notre droit, ils vont te mettre en porte. Quand on te travaille, tu n'as même pas de contrat de travail, tu n'as même pas assuré de la condition de vie. Il n'y a pas de condition de vie de travailleur. Si cette complainte était celle d'une ou deux personnes avec lesquelles nous avons fixé un rendez-vous, on pourrait penser qu'ils sont peut-être les rares mécontents ou les aigris de la mine. Mais nous avons été pris d'assaut sur le marché par les jeunes qui avaient tous une expérience négative de leur passage dans la superstructure. En vrai, où est l'État dans cette vaste entreprise? De quels moyens dispose-t-il pour veiller sur les droits et les intérêts des travailleurs minières? Nous n'avons évidemment pas résisté à la tentation de poser la question aux responsables de la SMB, la société minière de Bokké, de leur part de responsabilité sociétale. Une entreprise de cette taille a quand même cette obligation d'apporter de l'aide aux riverains. C'est écrit dans leur convention. Voici où nous avons été dirigés, vers cet abri que le consortium a construit à la sortie de l'usine. Nous y avons rencontré le chef du village, réuni avec quelques femmes sous cet abri. Des personnes bien acquises à l'entreprise, évidemment, préparées pour nous recevoir. La société SMB Vining Construction. Donc, à ce l'école finit. Trois classes. Après un dé, il y a un peu de temps. À ce moment-là, il y a un hangar qui marche. Évidemment, le chef a été préparé pour tresser une couronne au consortium. Vous conviendrez avec moi qu'un abri, un puits et quelques salles de classe, ça fait un peu léger au regard de la taille et des profits que réalise cet immense consortium à qui beaucoup de griefs sont faits depuis des années par les riverains. Le rail, ça passe, ça nous, on est là, on ne travaille pas. Le pousser, ça nous fatigue. On ne travaille rien. Nous, on ne travaille pas. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de ni rien. Nous ici, nous la population, on n'a rien. Il n'y a pas l'eau, on n'a pas courant, on n'a pas route. Il y a même, on a faim, il n'y a aucun traitement qui est bon. Actuellement ici, la pollution, même si tu arrives à accrocher tes habits dans la nuit, d'ici le matin, tu verras que tous tes habits là sont devenus rouges. Les acajou, les manguiers, ça ne donne plus les fruits que ça doit donner. C'est vrai qu'ici, avec la fréquence des camions et l'absence des routes, l'on vit dans un épais nuage de poussière. Que c'est impensable, c'est inacceptable que l'un des pays les plus riches de la planète, étant la puissance mondiale, les deux tiers des réserves bauxitiques qui se trouvent ici, et qu'on tire de toutes ces richesses-là d'une préfecture comme Bokké, et que moi, c'est là où j'ai passé 7 ans, et que je viens maintenant en tant que ministre de la République, et qu'on n'ait pas de route, que les goudrons qu'on a laissés avant ma naissance, que ce sont ces goudrons-là que les miniers ont détruits, et que les populations riveraines n'ont pas les moyens de manger 3 fois par jour. Et ça, mais la faute à qui? La faute est à la fois au gouvernement,
mais aussi aux opérateurs miniers. Le cas de Boké, près de 2 milliards de dollars par an. Et que la préfecture de Boké n'a ni courant, ni eau. Et le goudron qu'on a trouvé avant l'essor dans le domaine bauxitique, c'est ce goudron-là qu'on les a détruits. Et personne n'est en train de prendre une décision pour revenir à ces populations-là. Voilà, je vous donne l'eau potable gratuitement, je vous donne le courant, je vous donne la route. Donc, de ce côté, c'est de la responsabilité. Mais c'est surtout de la responsabilité des gouvernants. Sans blâmer individuellement personne. Mais ce que le chef de l'État a fait ici prouve que tout autre président antérieur, toute autre équipe gouvernementale était aussi capable de le faire. Voilà ce qu'on a fait en 3 mois. Les arbres ne poussent plus comme ça. Ça pousse même les tôles à vieillir. Hein? Si par exemple la durée est tellement longue, ça devient très court. Donc la poussière impacte tout le monde. C'est la raison pour laquelle tout enfant né d'ici grandit ici à la sinusite. Ça c'est naturel. Ah bon? Tout enfant né d'ici et grandit ici à la sinusite, dit à la poussière. Parce que nous nous sommes déjà habitués. Mmh. Avec cette maladie, on grandit. C'est ça la triste réalité. Mois passé, nous avons dépêché une équipe du ministère des Mines dans toutes les sociétés minières à travers le pays. Les communautés riveraines n'ont qu'un seul message. Nous voulons du travail pour nos enfants. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, le code minier et aussi les différentes conventions de base consacrent la même réalité. Chaque entreprise minière est obligée de construire un centre de formation professionnelle dans les localités où elles opèrent. Ça, c'est le code minier de la République de Guinée qui le dit. Encore une fois, il faut que le chef de l'État commence à le faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je vais partir en France en clandestin. Je vais ça. En clandestin. Je vais partir. Je vais chercher Moni. À la vérité, les firmes qui exploitent la bauxite ici n'ont pas vocation à s'occuper des populations riveraines, même si les conventions prévoient ce volet. Elles n'ont jamais été respectées. Et l'État aussi avait ses obligations vis-à-vis d'elles. Figurez-vous, et c'est là où les politiques sont encore coupables de corruption et d'abandon des leurs, il existe bien un fonds pour venir en aide aux populations, pour développer les activités dans cette région riveraine des mines. Le fonds Faudel. Mais dans la réalité, elle a été soigneusement et au fil des ans carottée, détournée par les politiques. Parmi eux, au passage, certains et pas des moindres qui crient aujourd'hui très fort au retour rapide de l'ordre constitutionnel. Question de se remettre à table. C'est à cela que s'est attaqué le colonel Mamadi Doumbouya. La loi guinéenne, le code minier encore, consacre que chaque entreprise minière ouvre un compte qu'on appelle Fonds de développement local Faudel. Ces fonds-là ont toujours rempli ces caisses de ces communautés riveraines. Ces fonds-là devraient être utilisés par les différents régimes. Mais vous dites bien « devraient ». Pour l'instant, on a le sentiment que ça n'a pas été utilisé pour les populations. C'est la raison pour laquelle, dès le 5 septembre, le chef de l'État, quand il est venu, il a gelé tous ses comptes de Faudel. S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Dieu merci qu'avec ce gel-là, tous ces comptes Faudel-là sont assis en bonne santé à la Banque centrale de la République de Guinée. Maintenant, le ministère des Mines et le ministère de l'administration du territoire vont travailler avec chacune de ces communautés-là pour les aider à monter des projets prioritaires de développement. Donc, c'est malheureusement ce qui est fait par le chef de l'État maintenant, là, devrait être fait des années avant. Mais nous venons de commencer. Il faut renverser la tendance de 63 ans en 9 mois et maintenant en 36 mois. Il est à noter que depuis leur arrivée aux affaires, les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre 2021 ont tout de suite mis le secteur des mines dans leur viseur. Il faut l'assainir. Force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations. Et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. Une chose est de dénoncer ce que les grandes puissances et les firmes internationales ont fait dans nos pays. Une autre est d'évoquer la part de responsabilité de nos dirigeants et cadres, de nos politiques qui sont trop souvent complices, coupables de ces pillages. Dans l'histoire de la bauxite de Guinée, tout ne peut pas s'expliquer que par l'ignorance des aînés qui ont signé des conventions dont ils ne mesuraient pas toujours la portée, des contrats qu'ils ne comprenaient pas toujours. Les plus gros rapts ont souvent été réalisés avec le concours des intellectuels. Ce n'est pas plaisant à entendre pour les politiques, mais pendant ces 60 dernières années, après l'ignorance du début, les gouvernants qui se sont succédés n'ont pas brillé par leur gestion des immenses richesses de la Guinée. Et beaucoup de cadres et de politiciens sont les premiers responsables de ce pillage.
Ils ont contribué à voler les richesses de ce pays. Pour ce qui concerne les ressources humaines qui ont fait de bonnes formations, la Guinée pullule des cadres. J'ai des amis qui ont fait MIT aux États-Unis, j'ai des amis qui ont étudié en Suisse. Ils ont vu des modèles qui marchent ailleurs. Mais une fois qu'ils sont au retour dans leur pays qui est le nôtre, ils deviennent le problème au lieu d'être la solution. Donc actuellement, la variable explicative de notre retard ou du fait qu'on ne profite pas de la richesse de notre sous-sol, c'est clairement un manque de volonté lié à la corruption. Figurez-vous-même que des élus au sein de l'Assemblée nationale se sont entendus pour livrer cette manne aux firmes internationales en décidant un jour, tout simplement, de priver le pouvoir de ses revenus en votant un texte pour faire sauter la taxe à l'exportation. Est-ce que vous savez que la Guinée avait instauré, sous la Première République déjà, une taxe à l'exportation? C'était une mesure incitative à la transformation des matières premières. C'est-à-dire que lorsqu'on exporte la bauxite, pour les inciter à transformer la bauxite en aluminium, on leur a imposé une taxe à l'exportation de plus de 22 dollars la tonne. Et nous qui exportions de l'aluminium, parce que je parle du cas de Frigia où j'ai travaillé, nous payons 17 dollars parce que nous exportions l'aluminium et l'État aurait voulu que nous exportions de l'aluminium. Donc c'est une mesure incitative à la transformation. Mais non seulement cette mesure incitative qui permettait d'avoir des revenus pour le pays, cette mesure a été arrêtée, personne ne sait comment et pourquoi. Vous voulez dire que du jour au lendemain, on a banni la mesure à l'exportation? La taxe à l'exportation, elle a été arrêtée sans préavis. Et aujourd'hui, mais qui l'arrête? Mais à l'époque, ce n'est pas plus pas moins que le gouvernement qui était là en place. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Mais c'était dans quelles années? C'était sous le régime du président Lansana Conté, les 93-94. Ce n'est pas tout. Les conventions imposées à chaque fois, à chaque compagnie, qui produit plus d'une tonne de minerais de bauxite, de construire une raffinerie. Une disposition qui devait au moins freiner cette propension à faire de la Guinée un simple pourvoyeur de matières premières. Elle devait permettre la transformation en aluminium sur place, ce qui aurait créé des milliers d'emplois et de la valeur ajoutée. Aucune de ces compagnies ne l'a jamais fait. Ce sont des gens qui ne sont pas des missionnaires. Ils sont là pour faire business. Ils profitent de notre ignorance. Les conventions sont écrites. Les termes de ces conventions ne sont pas appliqués. Ça revient à l'État d'assurer son rôle régalien afin que ces conventions soient respectées pour le plus grand bien de tout le monde. Assurément. C'est d'abord à l'État de veiller à ce que les conventions soient respectées. Les opérateurs miniers, en venant en Guinée, en signant leur convention de base, en négociant avec l'État de leur faire tous ces cadeaux-là, les listes minières. Vous savez que toutes les sociétés minières importent gratuitement tout ce qui entre dans leurs opérations, dans leur production ici, sans payer des taxes. Et c'est une saignée financière pour la République de Guinée. Nous le reconnaissons. Je sais combien ça coûte à l'État guinéen. Mais le président de la République demande de faire appliquer les lois. Alors, malgré tout, ces sociétés minières-là sont venues pour négocier avec les différents régimes pour leur promettre que nous allons faire des raffineries de telle période à telle période et de telle capacité ensuite allant à cette capacité. Connaissant la situation économique et énergétique de notre pays. Alors là, c'est une promesse qu'elles ont prise elles-mêmes de façon volontaire. Et à cause de ça, l'État a fait beaucoup de concessions en acceptant de perdre beaucoup en matière de revenus. À la question de la transformation sur place, nous avons beaucoup écouté l'argument des miniers petits comme grands, selon lequel le pays n'a pas assez d'énergie pour alimenter, pour faire fonctionner les raffineries. C'est vrai. Mais la clause de la construction des raffineries, ils l'avaient signée en connaissance de cause. Elle était dans les conventions et les différentes compagnies et consortiums signataires de ces contrats en avaient conscience. C'est un argument qui ne tient pas la route. Lorsque l'on veut réellement investir dans l'aluminium, on sait que ça va avec l'énergie. Dans le business plan, on intègre l'énergie. Lorsque vous voulez acheter un véhicule, vous savez très bien que vous n'allez pas acheter un véhicule qui n'a pas de volant ou qui n'a pas de pneus. Ça fait partie. On a un exemple de base qui est Frigia. Frigia
exploitait de la bauxite comme les autres compagnies bauxitiques, mais Fria transformait sa bauxite en alumine. Ils avaient les mêmes problèmes énergétiques, pire, il y a 50 ans que cela se faisait. Aujourd'hui, on a construit deux barrages. La disponibilité en énergie est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans quand on construisait Fria. Dans les 6 mois, 9 mois qui viennent, la République de Guinée, la zone de Boké, qui va englober 99% des raffineries, va avoir la quantité d'énergie suffisante pour toutes les raffineries dans notre pays. Et en plus de ça, les Américains sont sur le point de venir dans les semaines qui suivent pour avoir une usine de gaz liquéfié qui sera implantée ici, sur le territoire national, dans la région de Boké, de Kamsar là-bas, et qui va ravitailler toutes les entreprises minières qui sont intéressées dans la transformation de la bauxite en alumine. Donc l'aspect énergétique... À un coût qui serait raisonnable. À un coût qui serait plus raisonnable, on le sait, parce que l'énergie, le coût de l'énergie représente l'ossature de la structure des coûts d'une raffinerie. Ça, c'est là, nous le connaissons. Mais aussi, il y a aussi des raffineries en bloc, c'est-à-dire des raffineries prêtes à utilisation qui viennent avec leur énergie incorporée. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettre morte aujourd'hui. En réalité, lorsque l'on visite le secteur de la bauxite en Guinée, on mesure le côté filou, le côté un peu voyou de nombreuses compagnies, mais également la propension de certains dirigeants, certains responsables, à la corruption, au profit personnel. Ils ignorent superbement l'intérêt de leur pays et leurs administrés. Tenez par exemple, lorsque vous avez trois compagnies étrangères qui débarquent et qui, dans la convention, proposent de construire, chacun dans son contrat, un réseau de chemin de fer, des kilomètres de route sur le même parcours, et ils promettent chacun qu'ils reviendront plus tard à la Guinée, je suis surpris. Et je refuse de faire insulte à l'intelligence des Guinéens qui ont négocié et signé ces contrats pour penser qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait des doublons et des non-sens, que pour eux c'était logique, que ça leur a échappé qu'il y avait des choses absurdes dans ces conventions qui se superposent. Je refuse de croire qu'ils n'aient pas pensé à mutualiser ce projet pour les rendre cohérents avec un seul chemin de fer transguinéen, pas des hypothétiques bouts de chemin de fer sans aucune cohérence. De combien de réseaux de chemin de fer la Guinée a besoin? S'ils ne l'ont pas fait exprès, alors ils devraient se taire. Ils devraient se faire plus discrets et surtout se garder de critiquer les militaires parce qu'eux au moins ont tout de suite vu l'incohérence. Ils s'y sont attaqués d'entrée. Il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée, mais il s'agit de faire en sorte qu'aucune des parties prenantes aux différentes conventions ne soit fondamentalement défavorisée dans la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. En réalité, le secteur de la bauxite est bourré de conventions, de contrats absurdes. Et ce qui est remarquable, c'est que le CRND, le groupe des militaires qui est arrivé au pouvoir en renversant le professeur Alpha Condé, sans expertise, n'a même pas touché aux conventions. Ils ont juste décidé de mettre un terme à ce pillage. Une centaine de permis ont été retirés, c'est-à-dire près du tiers des permis donnés. Depuis le 5 septembre, le chef de l'État est venu, il a dit qu'il faut mettre un gel, on n'octroie pas de permis minier. La situation est tellement corrompue, je voudrais tirer au clair la situation des titres et permis miniers. Alors au Conseil des ministres, il m'a instruit, le ministre des Mines, de ne plus octroyer de permis jusqu'à l'assainissement complet du cadastre minier. C'est ce qui fut fait. Donc depuis ces 8 derniers mois, nous sommes en train de voir au cas par cas tous les permis dormants, tous les permis qui sont restés inactifs ou tous les permis dont les obligations contractuelles en matière de volume de travail à accomplir, en matière de volume d'investissement à faire, en matière des taxes superficielles, en matière des droits fixes à payer à la République de Guinée. Dans chacun de ces cas, nous avons répertorié et nous leur avons adressé, selon les provisions du code minier, des lettres de mise en demeure de 30 jours pour se mettre en rapport. Dans tous les cas, pour une soixantaine de sociétés minières où les gens n'ont pas essayé de se mettre en conformité avec leurs obligations contractuelles avec la Guinée, ces permis-là ont été retirés et le compte-rendu a été fait au chef de l'État. Vous et nous ne pouvons plus continuer
à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et ce, avant la fin du mois de mai, c'est-à-dire on est en avril, c'est d'ici la fin du mois prochain. Je veux, monsieur le Premier ministre, qu'on me réponde sur ça. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions, un projet, un chronogramme précis de construction des raffineries d'alumine en République de Guinée. Quand il est venu au pouvoir, il a déclaré solennellement que toutes les conventions de base, tous les contrats, tous les protocoles restent inchangés. Donc nous ne changeons pas la loi. L'État, la Guinée, est une continuité. Et pourtant, en mettant juste la pression pour que les conventions soient respectées, le changement dans les caisses du Trésor public a été fulgurant. Les recettes de l'État ont, en quelques mois, fait un bond extraordinaire. Pendant les 90 premiers jours de 2022, les recettes minières ont été à hauteur de 11 900 millions de nos francs, donc représentant plus que les recettes prévisionnelles annuelles que les douanes font rentrer dans les caisses de l'État. En trois mois, les trois premiers mois de l'année, on a mobilisé près de 12 000 milliards qui sont dans nos caisses, avec la SOGIPAMI. Comment on est arrivé là? Des simples décisions. Le chef de l'État a demandé que le code minier donne à la Guinée le droit, en son article 138.3, le droit à la commercialisation de la part de la bauxite qui lui revient. C'est tout ce qu'on a exercé. Expliquez-nous ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État guinéen, qui, le code minier qui le consacre 15% de la part dans ces sociétés-là, normalement. D'accord? Donc, si une société minière exploite 10 millions de tonnes, ça veut dire que la Guinée a 1 500 000 tonnes. Et le code minier donne la latitude à la République de Guinée de commercialiser ça au prix qu'il négocie avec l'étranger. Voilà tout ce droit de commercialisation que le chef de l'État a instruit le ministre des Mines immédiatement, la même semaine, de faire connaître à ces sociétés minières-là que nous exerçons nos droits. Et voilà tout ce qu'on a fait. Ceci, c'est du concret. En réalité, ce tableau illustre bien les effets justes du respect des conventions sur les miniers par la pression des nouvelles autorités. Fin juin 2021, on est à 40 milliards de francs guinéens de chiffre d'affaires de la société minière de l'État, la SOGIPAMI. Le CRND n'est pas encore là, il n'est pas encore au pouvoir. Il n'y arrivera qu'en septembre, trois mois plus tard. Fin juin 2022, on passe à 75 milliards, c'est-à-dire presque le double de l'année précédente. Si on le convertit en demande prioritaire, cela fait au moins une dizaine d'hôpitaux ou des centaines d'écoles à travers le pays qui manquent cruellement de ressources humaines qualifiées. Ceci pour la seule bauxite. Et sans revoir les conventions qui devraient logiquement faire l'objet de quelques révisions. Il faut reconnaître que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dans le même temps frappé fort. Il a fait ce que beaucoup n'auraient pas osé faire, le gel de l'octroi des contrats. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. On a retourné tous les permis là qui étaient prêts pour la signature par l'ancien régime. La nouvelle commission a réexaminé et le mois passé, les 6 premiers permis d'exploitation qui devraient être approuvés, la Commission nationale des mines a rejeté 4 et elle a approuvé 2. Seule une seule société qui a été approuvée par la Commission nationale des mines. Et là, je suis très heureux de reporter ici que le 23 juin dernier, Son Excellence Monsieur le Président de la République a signé son tout premier permis d'exploitation en République de Guinée. Donc, c'est pour quelle entreprise? C'est la société Achapura. Achapura, et Achapura est aujourd'hui la seule société minière encore qui est capable ou qui est considérée être capable dans les 12 mois qui suivent de passer en phase de projet à la phase de commercialisation. Le président Doumbouya a convoqué, de façon très polie mais très militaire, les patrons des mines, quelle que soit leur taille et leur origine. Eux qui étaient jusque-là les maîtres du pays, qui faisaient la loi, qui tenaient en otage le gouvernement et toute la population, et leur a donné un ultimatum sans ambiguïté. Le président de la République a convoqué les CEO des sociétés et leur a donné des ultimatums. Tout manquement, le respect des délais de construction des raffineries se traduira par des pénalités requises.
La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffinerie d'aluminium en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. C'est pour cela qu'un comité sera prochainement mis en place pour proposer aux compagnies minières qui se mettront ensemble pour la construction des raffineries en Guinée. La colère du président ne s'est pas limitée dans le domaine des mines à la bauxite. L'or, mais également le fer, dont la Guinée est encore l'un des plus grands réservoirs mondiaux, dont nous parlerons dans la seconde partie de ce reportage, en fait également l'objet de réelles révolutions. Dans ce domaine aussi, les autorités et les miniers ne se sont pas gênés pour piller la Guinée. Les scandales sont au moins aussi importants que dans la bauxite. On ne peut pas ne pas les mettre au grand jour. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses. De richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simoundou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Et ici, on a décidé de l'exploiter différemment. On a décidé, enfin, de se l'approprier. Mais comment se l'approprier? Puisque jusqu'à une certaine date, c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'à bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura. Mais c'est à ce moment précis ce qui restera de là. Et c'est dans cela que c'est intéressant d'avoir renégocié. Parce qu'en réalité, ces richesses sont là. Regardez, partout, il y en a. Il y en a. Il suffit de se baisser pour ramasser. Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire, ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, de renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela bénéficie aux populations. Regardez cette énorme montagne, il n'y a que ça partout, partout. Et on ne va pas attendre 35 ans pour en bénéficier. Et c'est dans cela que c'est intéressant. À vous aussi dans vos pays, de vous interroger, de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds. Et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde? C'est ça la réelle question. Comment on deal? Le deal ici, il est facile, il est là. Celui qui arrive, qui vous dit non, on va dépenser beaucoup d'argent, il dépense parce qu'il sait qu'il va gagner. Peut-être qu'il faut que nous aussi, nous gagnions pendant qu'il gagne. C'est du win-win, c'est de cela qu'il est question. On ne dit pas qu'il faut chasser qui que ce soit, non. Puisque nous n'avons pas encore la technologie. On dit formez-nous, transmettez-nous la technologie, mais en même temps respectez-nous. Et n'attendez pas qu'on soit mort pour en profiter. Dans 35 ans, on ne sait pas ce que ça va devenir. Peut-être que ce minerai de fer ne servira à rien, alors qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Tout le monde. Toute la planète en a besoin. Et nous sommes dans le pays qui a l'un des plus grands gisements au monde. Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une pierre, mais comme un cadeau du ciel. Ils doivent en bénéficier. C'est pourquoi par moments je trouve presque incongru que les politiques, autres profiteurs et autres compagnies internationales, certaines nations dont ces firmes sont originaires, nous amènent beaucoup trop souvent à nous focaliser sur la politique, sur les bagarres au sommet de l'État, sur les détails de la transition, sur l'extrême urgence des élections. Ils en font une priorité pendant qu'ils se servent. C'est important, mais est-ce l'urgence des urgences lorsque l'on sait que ces politiques sont les mêmes ? Et n'ont pas les moyens d'apporter des changements radicaux dans un pays exsangue. On en parle dans la seconde partie de ce reportage que je vous recommande fortement parce que les scandales et les changements sont importants et spectaculaires
dans le domaine minier en général en Guinée, avec notamment les parts de l'État qui passent de 0 à 15% dans certains secteurs comme le fer, juste en rediscutant. Des milliards de dollars de suite dans la caisse de l'État sans attendre 35 ans. On parlera aussi de l'or qui est le parent pauvre de ces minéraux dans ce pays avec ses damnés de la terre. Les mines en Guinée, c'est un réel hold-up. Et même si les soubresauts politiques revêtent une réelle importance, il ne faut pas perdre de vue ce qui va réellement changer le visage de ce pays aux riches ressources qui bénéficient plutôt à un petit nombre.